j'ai coupé. D'accord. Alors, je te donne un petit coup de couteau. On se bat le couteau, tu ramasses un petit coup de couteau sur le... Ah non, 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 je veux pas. Je veux pas plaindre contre toi. Oh, macho. Mais je dois me laisser quand même de la surface pour pouvoir couper pour de bon, parce que sinon, je coupe vraiment la peau. Alors, après... Pas bien, là, ou bien? Ouais. Non, je te pose la question, parce que je n'aurais pas de tête. Pas grand-chose, en fait, parce que je suis en train de faire des volumes à des endroits, des vagues à d'autres. Alors, par contre, quand je fais ça, vous voyez, j'ai quand même... Là, je vais quand même devoir passer un petit peu du fond de teint pour rattraper la couleur de la peau, parce que... Tu me regardes si je suis sur la peau. Non, c'est bon. Super. Ça, c'est une peau de bon, tu m'avertis. Bon, après, je vais mettre quand même un petit peu de... fard gras autour, parce que c'est vrai que la peau peut être un peu tuméfiée quand même autour. On n'a pas remboursé ma tête, j'ai dû vendre un doigt. Ma fille russe. Les yakuza, ils sont venus. Là, si vous voulez, ça commence vraiment le travail de la maquille. Là, ouais, et puis encore, je veux dire, c'est juste qu'il faut avoir un petit peu d'idées et puis. Il faudrait que tu tournes un peu de temps. De se dire, bon, il faut que je dégrade, il faut pas. Voilà, ouais, parfait. Montre-moi ta main. C'est là, on va essayer de mettre ça à la caméra parce que sinon. Ah, ok. C'est ça? Ah, ouais, moi, c'est bon. En fait, c'est moi qui me suis coupé. Question de discipline. Tu vas faire ton film. Enfin, c'est vrai que c'est là que, moi je dis toujours, c'est là que ça devient intéressant pour la maquilleuse d'avoir le moniteur. Et de pouvoir vérifier ce qu'elle fait, parce que ce que moi je vois là, c'est pas tout à fait ce que je vois dans la caméra. Donc c'est vrai que c'est super quand on peut travailler en relation avec le moniteur pour voir ce qu'on fait. Parce qu'on peut vraiment pinailler sur des trucs qu'on ne voit pas. Voilà, moi par exemple, ça je ne vois pas. Ouais. Et en plus. Ah voilà, comme ça je mets ma gélatine. Ça va ? Non, me faites pas peur exprès quand même. Ça fait mal ? Ça me brûle pour de bon. Bah, si tu veux que ça fasse effet réel, il faut que ça brûle. Hein. On a mis de l'acide sulfurique dedans. Ah oui, tu mets le bouillon dessus. Sinon, tu vois, ça rend quoi ? T'attends un petit peu, ça glissote. C'est le but, en fait. Alors, voilà, bon, bah, j'applique ma gélatine. Tu vas tout. Alors, ça, c'est vraiment faisable n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Sur le visage, sur le corps, sur une jambe. J'avais noté combien de.
feuille de gélatine. Et en plus, à peu près 12. 12 sur combien? Un paquet sur un bras ou un truc comme ça, tu peux dépiler en même temps. Mais on sera gêné, c'est difficile. Alors là, bah, je vais donner des reliefs. Mais c'est de la sculpture. Oh là là, j'ai un peu la même chose pour aussi. Ah, c'est horrible. Oui, ça arrive sur un bébé. Ça sert répressif. C'est un truc vraiment bête. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu que vous avez déjà mixé le travail du diplôme, l'examen pour Julien. Là, bien sûr, il faut toujours travailler les creux et les. Pour Julien. Et les volumes pour que ça rentre. Okay. Ah, pour Mickaël. Ah, oui. Il faut déjà savoir. Tu envoies ça, Cécile. Parce que c'est vite fait de faire un truc un peu trop fort. Et... Alors, sanguinolent, ça c'est bien. Ah, c'est terrible. Bah ouais, dans les crevasses. Ah, c'est bon, ça fait un peu de pizza.